Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Écrire liberté sur le bord d'une plage, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. Même si la mer efface ce mot, la liberté demeure. Je fais un rêve qu'un jour, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront aller la main dans la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches comme frères et sœurs. Ni mitérien ni personne, un lion qui copie, un lion devient un singe. Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. On n'est pas femme, on le devient. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface comme en profondeur. Si un maître ne peut pas se passer de son esclave, allez, esclave ! Lequel des deux est un homme libre ? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Lâche-moi, petit moustique, laisse-moi dormir. Et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Saleté de moustique! Lorsque l'esprit de l'homme te paraîtra étroit, dis-toi que la terre est vaste. N'hésite jamais à t'éloigner au-delà de toutes les mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries et de toutes les croyances. Sortez vos cahiers, restez sages! Un enfant, un enseignant, un stylo ou un livre peuvent changer le monde. Quand je serai grande, je vais être heureuse. Savoir dessiner un peu. Savoir me servir d'une perceuse. Savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle. Avoir une belle écriture. Pour écrire des mots rebelles. À faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa. C'est quand qu'on va où ? Être né quelque part, c'est parti quand on veut. Revenir quand on part. Est-ce que les gens naissent, égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ? Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs ? Ce serait rigolo. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.